Bonjour à tous, bienvenue chez Dyne Audit. Je suis Romain, le directeur de la société. Aujourd'hui, nous allons parler d'huile moteur. Vous l'avez vu, il y a à peu près un mois, nous avons posté une première information visant à teaser cette vidéo pour vous indiquer que tout ce que vous savez sur l'huile moteur n'est probablement pas juste. Et on voulait attirer votre attention sur les quelques vérités que vous ignorez sur l'huile moteur avec la participation d'un des rares fabricants français d'huile moteur qui s'appelle A9, technologie A9, dont nous sommes revendeurs, et nous aurons le plaisir d'avoir l'intervention de Monsieur Pirot, le directeur de la société, qui a accepté gentiment de participer à cette interview. Alors bonjour à tous, bonjour Monsieur Pirot. Bonjour Monsieur Serin. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui chez Dyne Audit. Ça fait longtemps qu'on voulait vous recevoir, on avait un peu présenté cette interview déjà il y a, allez, je dirais un mois et demi, avec une publication Facebook qui avait fait pas mal de réactions. Parce qu'on est là aujourd'hui pour essayer de tordre le cou à pas mal d'idées reçues sur les huiles moteurs. Et vous êtes, comment dirais-je, un peu l'interlocuteur idéal sur cette question, parce que vous êtes l'un des rares fabricants d'huiles moteurs en France qui ne soit pas un grand pétrolier, pour résumer les choses de manière très grossière. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Renaud Miro, j'ai 66 ans, dans quelques jours bientôt 67, ce qui ne nous rajeunit pas. Et ça fait maintenant 30 ans que je fais ce métier. Mais mes origines sont évidemment très très éloignées du monde de la lubrification, puisque je suis né dans une famille où on fabriquait du matériel de lutte contre l'incendie, puisque mon grand-père avait glorieusement inventé la poudre extinctrice. On va dire que votre formation initiale, elle est plutôt dans le... on va dire la communication, la publicité, et que vous êtes, si je me permets de sauter une énorme étape, mais que vous êtes rapidement spécialisé du point de vue technique, de manière à connaître parfaitement tout ce qu'il y a à savoir sur la production des huiles moteurs. Moi je vous dirais que si j'ai atterri dans ce métier, c'est par nécessité, mais pas par vocation à l'origine, puisque rien ne me prédestinait à devenir un jour fabricant. Alors, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais derrière nous, on a un échantillon de trois vidéos qui sont certainement parmi les plus populaires sur YouTube quand on tape huile moteur, qui sont le type d'informations qu'on va retrouver aujourd'hui quand on s'intéresse à la question sur Internet, c'est-à-dire des informations relativement génériques et qui vont... nous orienter vers une huile plutôt qu'une autre de manière pas très scientifique, on va dire les choses comme elles sont. Et aujourd'hui, même si on ne va pas rentrer dans le détail hyper scientifique, on ne prétend pas, je ne suis pas docteur en lubrification moteur, hein, personnellement, mais on va déjà donner beaucoup d'informations qui vont permettre aux internautes de se poser des questions, ça sera déjà pas mal. Alors pour en revenir à vous, Monsieur Biro, aujourd'hui vous êtes directeur d'une société qui s'appelle Technologie A9, mais pas seulement, on en reviendra plus tard, vous êtes aussi l'un des fondeurs d'un espace qui est unique pratiquement, je pense, en France, qui est On a été rattrapé. Ah, vous avez été rattrapé. Oui, oui, il y a quand même plusieurs... Vous avez été imité, en fait, par la suite. On a été imité, exactement. Oui, oui. On a été les premiers dans notre domaine à faire un palace-hôtel pour véhicules de collection. Voilà. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de réunir le tout ensemble, c'est-à-dire de remiser dans un cadre sympathique, dans de bonnes conditions, des voitures d'exception, et en assurer la maintenance. Et c'est ça qui était nouveau à l'époque, parce qu'il y a quand même, c'était en 87, il y a plus d'une trentaine d'années, et ce qui était nouveau, c'était justement que les gens pouvaient nous laisser et nous confier à l'année leur véhicule, et on leur assurait la maintenance, puisqu'on sait que les véhicules de collection tournent très peu, et si on n'est pas derrière eux, ils s'abîment très vite. Et oui, parce que je fais une découverte toute simple à l'époque, c'est qu'un véhicule qui roule, il s'use, ça tout le monde le sait, mais qu'un véhicule qui ne roule pas s'abîme. Et ça, je ne le savais pas. Tout à fait. Je l'ai appris parce que j'avais 300 véhicules à m'occuper dans le garage. Et là, vous allez faire des découvertes sur lesquelles on va revenir après, qui, je pense, comment dire, échappent dans leur problématique à 90% des informations qu'on trouve sur Internet quand on veut se documenter. Et ça, c'est très intéressant. Ça échappe même à la totalité des fabricants. Je voulais pas dire 100%, mais... on est d'accord. On est bien d'accord. Il a fallu les autres. Alors, justement, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle et pour resituer un peu le sujet,
On va commencer par quelques généralités sur les huiles moteurs. Alors, pour schématiser tout ça rapidement, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on peut considérer que 70% du contenu d'une huile moteur, quelle qu'elle soit, c'est la base. Donc c'est une base qui est issue du raffinage, du pétrole. Du minéral. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut préciser que qu'une huile soit indiquée comme étant minérale ou qu'elle soit indiquée comme étant 100% synthèse. C'est toujours du minéral. C'est toujours du minéral. Déjà, ça c'est pour tordre le cou et un premier argument marketing. Et ensuite, les 30% qui restent, ce sont des additifs qui ont des buts divers et variés, mais généralement, alors je ne vais pas les reciter, mais tous, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais le but c'est de rendre l'huile détergente, de la rendre antioxydante pour le moteur, de permettre de tenir davantage la pression. En somme, des performances c'est ça, qu'elle n'avait pas au départ. Voilà. Soit on dope les performances, soit on ajoute des fonctionnalités à l'huile qu'elle n'a pas au départ. Exactement, parce qu'au départ, je vous rappelle que les huiles, notamment avant la guerre, étaient toutes monograves. Tout à fait. Donc elles étaient très très peu dotées en additifs, et c'est pour ça qu'à l'époque, les chauffeurs de véhicules faisaient leur petite sauce secrète, en quelque sorte, puisqu'ils en étaient fiers. Ils ajoutaient des adjuvants, qu'on appelle aujourd'hui des additifs, pour doper leurs huiles. Et effectivement, avec la commercialisation des véhicules qui est devenue gigantesque, on ne pouvait plus garder, chacun ne pouvait plus garder sa petite recette, il a fallu mettre tout ça dans un pot commun et faire évoluer l'huile monograde vers une huile multigrade et la confier à des spécialistes. Alors, multigrade, on entend souvent, le but étant d'avoir des huiles dont les performances à chaud et à froid soient normalisées. Exactement, de les rendre uniformes sur la totalité de la planète, quel que soit le constructeur, et en accord avec ce dernier, grâce à une petite équipe d'additiveurs qui conçoit ces process, et ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les huiles sont normalisées et d'excellente qualité. Alors, pour la suite de notre argumentation aussi, je suis obligé d'aborder à ce moment-là le fait que dans leur histoire, parce que les huiles, le besoin du lubrifiant moteur est venu avec l'expansion de l'industrie automobile, il a été utilisé dans le temps, vraiment au début de la développement des huiles moteurs, l'additivation avec des paraffines chlorées dans l'huile moteur, qui aujourd'hui sont utilisées essentiellement, et d'ailleurs plus tellement parce qu'elles ont elles-mêmes dépassé, elles sont même devenues obsolètes elles-mêmes, dans l'usinage des métaux. Et ces paraffines chlorées, voilà, on peut les retrouver aujourd'hui, on y reviendra plus tard, dans certains additifs qu'on peut trouver sur le marché et qui sont, dont les effets sont quand même assez catastrophiques sur les moteurs. C'est ça qui est fou aujourd'hui. Vous avez deux types de produits d'addition. Ce qu'on va appeler entre guillemets les bons additifs, tout à fait. Ce sont ceux qui sont stables dans le temps. On pourrait les appeler additifs usines, additifs pétroliers. Pétroliers, tout à fait. Qui sont recommandés pour pouvoir faire des process normalisés. Et puis tous ceux qui n'en font pas partie. Tout à fait. On va appeler les instables. Ce sont ces instables qui viennent perturber la chaîne de dope des stables et qu'il faut éviter aujourd'hui. Ils sont malheureusement encore légion sur les étagères des points de vente et ne servent plus à rien. Aujourd'hui, si on parle aux consommateurs, aux internautes en général, d'additifs, tout le monde va réagir par rapport à des marques d'additifs bien connues qu'on va retrouver chez les grands distributeurs, déjà dans la grande distribution, tout ce qui est Carrefour, etc. Auchan propose des additifs en rayon automobile. Et puis même quand vous allez chez les distributeurs spécialisés dans l'automobile comme Sudauto ou Feu Rouge, on va pas les citer, ils vont vous proposer des marques d'additifs, ils vont recommander pratiquement des additifs, et c'est ceux-là qui vont être retenus par les consommateurs comme étant les additifs. Ça sert à rien d'en rajouter. Si vous modifiez un process normalisé, la première chose qui vous arrive, c'est que vous perdez la garantie du constructeur, parce que un constructeur, ça prend beaucoup de temps à élaborer des moteurs, ça prend énormément de temps à les mettre au point avec le concours des additiveurs, et une fois que ce process est mis au point, il ne faut pas y toucher. Si vous y touchez, ben vous perdez la garantie du constructeur. Ça fait. C'est pas évidemment une chose à faire. Et du coup, j'ajoute même potentiellement dangereux pour le moteur, ces additifs. Vraiment. Alors, pour aller plus loin dans nos généralités sur les huiles moteurs, on peut, parce que c'est d'ailleurs vous qui m'avez expliqué, hein, je reconnais fort volontiers cette réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, on a tout un tas,
pourrait même dire des, je pense, des milliers hein, de, d'huiles moteurs. Il y en a. Chaque pays a son A ses réseaux et utilise les mêmes déchets de cette industrie, puisque ce sont des déchets, et ils essayent de les valoriser en leur donnant des aspects marketing extraordinaires, mais ça reste du marketing. Si on part vraiment, il n'y a pas d'utilité. Si on part à l'horizontale déjà, on a des milliers d'huiles moteurs, et on va dire que ce qui va réguler et ce qui va décider du contenu de ces huiles moteurs, c'est quelques normes qui existent et qui sont appliquées par tout le monde. On commence comme ça. Alors ces normes, on connaît les normes API américaines et les normes ACEA, si je ne me trompe pas. Pour les normes européennes. Pour les normes européennes. C'est l'équivalent. Et justement, alors, ce que vous m'avez expliqué avec, comment dirais-je, ce qui a provoqué mon grand étonnement à la base, c'est que ces additifs que l'on va retrouver listés derrière les bidons d'huile moteur, tous les bidons qu'on va acheter ou que l'on aille sur le marché, vont reprendre strictement les mêmes informations, à savoir un codage qui va correspondre au packaging, si je comprends bien, d'additifs qui vont être présents dans l'huile moteur. Et si on a deux bidons avec les mêmes codes, quelle que soit la marque qui est dessus, en fin de compte, on va se retrouver avec le même produit à l'intérieur. Tout à fait. Et c'est ça qui est incroyable pour le consommateur aujourd'hui, vous lui dites ça, pour lui c'est incroyable parce qu'il va se dire que telle huile elle était. Vous avez des gens qui achetaient par 100 fois meilleur que les autres. Leurs grands-parents achetaient de l'essau, c'est leurs ça. Parents achetaient de l'essau. Ils vont continuer d'acheter de l'essau. Au hasard. Ouais. Et vous achetez de l'essau par tradition. Ou alors en réalité. Voir sur des internautes, des youtubeurs. Qui vont vous dire que l'huile Activa elle est 100 fois meilleure que les autres, voilà. Alors qu'elle va avoir les mêmes normes API qu'une autre huile et donc être strictement identique. Voilà. À process égal, en fait, si vous voulez, quelle que soit la marque, le produit est le même. Alors, ça, déjà, c'est une information. C'est important de le savoir. C'est une information capitale, vous voulez dire. Et du coup, on peut passer de cette généralisation, de ces généralités sur les huiles moteurs, à l'étape suivante qui est justement, plus précisément, les idées reçues. Et qui est consacré à l'omniprésence du marketing dans le domaine des huiles. Et j'aimerais pour commencer qu'on parle ensemble. Justement, la normalisation, souvent, elle provoque l'uniformisation du marché, hein, c'est logique. C'est le but. Et pour que ça soit plus simple encore, souvent, c'est les mêmes personnes qui sont à la base. Parce que comme ça, plus au moins on est nombreux à gérer les normes, plus on est sûr qu'elles seront appliquées. Et en l'occurrence, dans le domaine des huiles moteurs, c'est assez spectaculaire parce que, si j'ai bien compris, on a un consortium. Bien compris. Oui, de 4 additiveurs. Voilà, si vous pouvez développer. On connaît sous le nom de Opel. Alors, ça n'a rien à voir avec le constructeur automobile. O pour Euronite, P pour Paramins, E pour Ethyl et L pour Lubrizol. Lubrizol, vous venez d'en entendre parler récemment, puisque leur unité de Normandie à côté de Rouen. Je crois d'ailleurs qu'on a une ministre de la Santé qui nous recommande de boire l'eau du robinet à Rouen. Je crois que je mettrai quelques réserves. Ça va mettre un certain temps à se polluer. Hein. C'est certain que les matières premières qui sont stockées là ont quand même des degrés d'innocuité divers. Ouais, tout à fait. Et ce triste incendie a mis en évidence effectivement. J'abordais ça avec humour, mais évidemment, là, c'est une situation qui est dramatique. Oui, c'est assez dramatique. Et du moins, le seul mérite qu'elle a, cette situation, c'est d'avoir éveillé à la conscience des Français en général de l'existence de ces Lubrizol en particulier et du rôle qu'ont ces fabricants dans l'industrie automobile parce que ce sont eux qui fournissent les additifs qui vont être présents dans toutes les huiles moteurs. Tout à fait. C'est ça, et c'est des sociétés qui sont assez discrètes du point de vue du grand public. Parce qu'elles ne vendent rien au grand public, elles ne vendent qu'aux industriels. Et ce sont elles qui fournissent les briques qu'on va retrouver ensuite dans toutes les huiles moteurs, si on peut simplifier les choses comme ça. C'est tout à fait ça. Alors, on se retrouve du coup sur le marché, comme on disait tout à l'heure, avec des producteurs d'huile qui font des bases normalisées, et ensuite des fabricants d'additifs, ces fameuses briques qui vont s'ajouter aux huiles pour doper leur performance. Et parmi ces fabricants d'additifs, comme on disait tout à l'heure, on a les additifs usines, ceux qui sont reconnus par les constructeurs et les fabricants d'huile. Qui vont faire partie des process des huiles d'aujourd'hui. Tout à fait. Et les additifs aftermarket, c'est un peu la jungle. Qui ne rentrent pas dans ce cadre. Et dont l'utilité est vraiment loin d'être prouvée. Oui. En tout cas, il n'y a aucune. Ils sont rejetés par la normalisation. J'ai pas trouvé d'études sérieuses sur le sujet. Vous n'en trouverez pas, puisqu'ils ne font pas partie du process actuel. Donc tout ce produit.
tous ces produits aftermarket, comme vous les citez, sont instables. C'est pour ça qu'ils ne font pas partie de la norme et sont à proscrire aujourd'hui, faute de conserver les garanties constructeurs. Alors justement, je voudrais revenir sur votre expérience, vous, en tant que, au départ, fondateur de l'espace Amour. Et c'est justement pour ça qu'on va parler des additifs maintenant, plus particulièrement. C'est que j'imagine que lorsque vous avez été confronté à la problématique de l'entretien de ces véhicules, de votre part en fait de véhicules de collection, vous avez dû vous au départ essayer des additifs qui étaient proposés. Ben, moi je fais cette découverte, c'est que ce véhicule qu'on a à entretenir malheureusement ne tourne pas tous les jours et reste au repos. Et une mécanique qui reste au repos se charge d'acidité, puisqu'on vit dans une planète à atmosphère, avec de l'oxygène, de l'air d'un côté, de l'humidité, une masse métallique et un fluide. Et lorsque vous mettez ces trois composants ensemble, vous obtenez de l'acidité. Cette acidité, le commun des mortels l'élimine tous les jours lorsqu'il prend son véhicule tous les matins pour l'utiliser. Donc il va user son véhicule, mais il va rejeter l'acidité. D'accord. À l'inverse, celui qui va stocker le véhicule très longtemps va garder cette acidité à l'intérieur, et il fallait que je trouve une solution pour empêcher cette acidité et endommager les masses. Je me permets de vous interrompre, parce que là on a une information qui est hyper importante, c'est que du coup, une 1000 moteurs, si elle reste dans un moteur que le moteur ne tourne pas, ça je dis ça, c'est valable pour tous les moteurs, auto, moto, tout ce que vous voulez, cette huile se dégrade et devient acide par, on va dire, la réaction chimique des additifs, c'est ça ? Tout simplement. Parce que la présence des additifs est un produit vivant qui contient beaucoup d'additifs qu'on a introduit en solubilité dans l'huile. Ce sont des additifs dits solubles et c'est ce que fait la chimie pétrolière. Et lorsque vous prenez des produits solubles et que vous les mettez dans l'atmosphère au contact du métal, vous obtenez un couple acide. La réaction avec l'oxydation avec l'oxygène, le métal, font que l'huile devient acide. Tout à fait. Justement, dans le passé, peut-être que la solution qu'on avait pour lutter contre ce phénomène, c'était de vidanger les moteurs qu'on voulait stocker. Dans le passé, le problème ne se posait pas. Les huiles étaient monograde. Elles n'avaient pas d'additifs. Logique. Et donc, par conséquent, elles n'étaient pas acides. Elles ne se chargeaient pas d'acidité. C'est le fait de les avoir dopées qui les a rendues acides. Et du coup, en voulant aller vers la poursuite du progrès des qualités de l'huile, de doper l'huile, malheureusement, cet inconvénient que l'huile, c'est du coup, se dégrade. Fait. Et alors, est-ce qu'on peut donner aux internautes des notions dans le temps de la vie d'une huile, justement, d'un moteur que, par exemple, imaginez, je fais 2000 km par an avec une voiture, c'est ma voiture du week-end, voiture plaisir. Eh bien, pendant le temps où vous ne l'utiliserez pas, au repos, votre huile va acidifier lentement. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je vidange chaque année, tous les 6 mois De toute façon, il faudrait que vous vidangiez au plus tard tous les 12 mois. C'est recommandé par le constructeur. D'accord. Si vous n'utilisez même pas. Sur un véhicule qui ne sert pas, il faut forcément changer l'huile. De toute façon. Alors ça, c'est très important c'est très, très important. De le rappeler du coup aux internautes. Ouais. Alors ensuite, concernant, on a un point qui a été abordé justement sur notre Facebook, c'était les huiles recyclées. C'est-à-dire que toutes les huiles qu'on a sur le marché, les huiles neuves qu'on achète en bidon, contiennent toujours un pourcentage d'huile recyclée. C'est nécessaire, puisqu'on rejette de plus en plus d'huiles usagées. Mm-hmm. Ces huiles usagées, on va les nettoyer, on va les centrifuger, et on va les remettre, une fois qu'elles auront été débarrassées de leurs particules, de leurs saletés, dans les bains neufs. C'est même une opération coûteuse, puisque une huile recyclée coûte plus cher qu'une huile neuve, mais il faut bien la réutiliser, ça fait partie du cycle de la vie de cette profession. Et on recycle de plus en plus. Mais ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, c'est comme le papier recyclé. Ce que je veux dire, c'est que les performances de ces huiles sont les mêmes que les huiles neutres neuves. Okay. Absolument. Donc cette incorporation, finalement, ne nuit pas à la qualité des huiles qu'on a produites. Absolument pas. Alors, je voudrais maintenant qu'on s'intéresse plus précisément à neuf. Donc, on a déjà parlé de l'espace Amour, votre projet initial. Donc, d'ailleurs, ce qu'on peut dire pour clore le sujet de l'espace Amour, c'est que vous avez été pionnier dans le domaine du gardiennage, si je puis dire, de véhicules de prestige et de collection, que cet espace Amour, il est plein à craquer. Vous ne faites aucune communication dessus parce que le grand public ne sait pas qu'il existe, à moins d'avoir été un fidèle, téléspectateur des émissions type Turbo, etc., où il est passé plusieurs fois. On n'a pas connaissance qu'il existe. C'est une information qui passe de
de collectionneur en collectionneur, et sur lequel on, voilà, on ne fait pas de publicité. C'est pas nécessaire, c'est plein. Écoutez, c'est... On dit toujours que les très bons produits se passent de publicité, parce que c'est magnifique, en tout cas. Ils se suffisent à eux-mêmes, et c'est un peu le cas. Et les gens, ils sont très heureux et très contents. Alors, on va passer à la création de la fameuse molécule A9. Donc, si on se replace dans le contexte, du coup, vous avez ce problème sur les véhicules qui, lorsque vous les redémarrez, ne veulent pas démarrer, ou alors fument, c'est ça? C'est un peu le problème. Lorsqu'on découvre que nos bains sont très acides, il faut chercher une solution. Alors, on a d'abord essayé tous les produits dits instables pour voir s'ils apportaient une solution. Les fameux additifs qu'on peut trouver. Les fameux additifs qui sont en dehors dans le circuit, de ceux qui composent le process des huiles normalisées. Et ce fut un échec. C'était même une catastrophe. On acidifiait encore plus vite les bains d'huile. Donc, on s'est dit, la meilleure chose, c'est de séparer les ennemis. On va interposer entre les masses métalliques et les fluides, comme l'huile, un film que l'on va former sur le métal, de façon à ce que ce dernier ne soit plus en contact avec l'oxygène de l'air et avec le fluide. Et ça a été la création de ce film rémanent de 0,1 micron, qui est la troisième évolution en fait des huiles modernes, puisque ça les a rendues filmogènes, c'est-à-dire qu'on va faire travailler les mécaniques film contre film, au lieu de les faire travailler métal contre métal, et ça change tout. En fait, la révolution, c'est que c'est cette révolution. On n'est plus sur des surfaces métalliques qui sont lubrifiées uniquement par l'huile moteur. Voilà. On dépose un film sur toutes les surfaces métalliques et l'huile moteur continue bien sûr de circuler, mais elle vient en plus de cette protection qui est déjà installée. Eh bien, si vous voulez, on la maintient en parfait état pendant toute sa durée d'utilisation, puisqu'elle n'est plus en contact avec le moteur, elle ne s'acidifie plus, elle ne se corrode plus. Et donc, elle garde ses performances, puisque, comme vous le savez, on use une mécanique au moment du démarrage, temps de remettre tout le circuit en mouvement. Et bien là, vous allez démarrer film contre film, et c'est directement 70% de l'usure d'un moteur qui disparaît. Est-ce que ça veut dire que l'huile ne s'acidifie plus? Elle ne s'acidifie plus, c'est terminé. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est fondamental. Donc, ça veut dire qu'on peut laisser l'huile dans le moteur, on n'a plus besoin de la vidanger. C'est fini. On n'a plus d'acidification de l'huile. On n'en a plus. Écoutez, c'est la troisième évolution de la lubrification. Les avantages qui sont liés du coup à ce produit sont quand même stupéfiants, parce que ça élimine cet écueil dramatique. Et c'est fondamental. C'est fondamental si on veut garder une voiture en parfait état et diminuer son budget d'entretien. Tout à fait. Parce qu'il n'y a plus d'entretien derrière. J'imagine que lorsque du coup vous avez au départ lancé ce produit sur le marché, vous avez fait passer par des organismes qui sont chargés de vérifier les performances. Alors on l'a présenté grâce à l'époque à l'ADEME. Alors on est quand encore l'ADEME? On est en 1989. D'accord. À l'époque l'ADEME s'appelait pas l'ADEME mais l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. Et puis il y avait une autre agence qui s'appelait l'Agence pour la qualité de l'air. Et ces deux agences en commun nous ont demandé de faire des essais avec l'UTAC et avec l'INRETS, qui est le laboratoire d'ailleurs qui n'est pas loin d'ici puisqu'il est à Bron, dans la région lyonnaise. Et on a quantifié les émissions polluantes qui sortaient des véhicules de cette époque, les performances au niveau de la consommation, de l'ergonomie et de l'usure des moteurs, et on s'est aperçu que les taux d'émission de polluants s'effondraient, notamment le monoxyde de carbone et le monoxyde d'azote, qui sont les deux gaz, évidemment, les plus problématiques en zone urbaine. Et avec cette solution technique, qui consiste simplement à faire une étanchéité chemise-piston quasi parfaite, puisqu'on se débarrasse de tous les dépôts qui sont déposés sur le métal, en déposant notre film, c'était une véritable révolution sur le plan environnemental. Là, ce que vous dites, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que... Alors, d'ailleurs, on mettra le lien vers les vidéos en question en sous la description de cette vidéo sur YouTube. Mais du coup, vous avez réussi à démontrer via ces organismes de validation officiels les performances de votre produit et surtout les effets immédiats qu'ils ont sur la pollution des moteurs. Et donc les résultats ont été, j'imagine, spectaculaires. Spectaculaires. Et quels ont été les retombées immédiates
est-ce que vous avez essayé justement de remonter l'information au gouvernement de l'époque, aux différences Le gouvernement de l'époque était parfaitement au courant. Et on a cherché au départ à convaincre le monde pétrolier d'adopter notre solution technique, non pas dans une huile, mais dans toutes les huiles. Et pour ça, il fallait quitter la France, en fait. Non, il ne fallait pas quitter la France, il fallait simplement que ce petit monde de pétroliers soit d'accord de mettre un produit qu'il ne fabriquait pas directement, puisqu'il ne fabrique que des produits solubles, ils ne connaissent qu'une chimie soluble, et notre chimie était miscible. Mm-hmm. C'est fondamentalement différent. Ce qui fait que les produits de base, n'étant pas les mêmes, ils se sont dit, on ne va pas maintenant acheter à d'autres sociétés qui fabriquent des produits chimiques miscibles, un produit pour le mettre dans notre chimie soluble. Et ils nous ont demandé de nous en occuper nous-mêmes, n'étant pas eux en mesure de le faire dans leur organisation. Alors moi, je vous arrête sur un point, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de pollution automobile, on a un discours officiel qui est entièrement axé sur les technologies qui sont présentes sur le véhicule, embarquées par le constructeur au niveau des dispositifs anti-pollution. On peut citer le filtre à particules, on peut citer la vanne EGR, le pot catalytique. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que via l'étanchéification de la chemise, du couple chemise-piston, on arrive à réduire énormément la pollution d'un véhicule sans retoucher du tout à son équipement anti-pollution. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas su. Hein. Mais non. Pour cause, puisque aujourd'hui, on n'utilise qu'en aval de la combustion des dispositifs, que ce soit des filtres à particules, des pots catalytiques, ce sont des dispositifs qui sont faits en aval de la combustion. Très bien. Notre dispositif à nous est fait en amont. Et de ce fait, on n'a plus qu'un résidu de polluant Si on essaie de quantifier la différence que ça fait, pourcentage, vous avez des chiffres à nous. Eh bien, l'INRED a mis en évidence, et l'UTAC aussi, qu'on avait une réduction des émissions polluantes de l'ordre de plus de 70%. C'est-à-dire qu'on pourrait supprimer en amont les deux tiers de ce que l'on va avoir à terminer en aval. C'est considérable. Si on l'appliquait à l'ensemble de la flotte mondiale, vous auriez 70% de pollution en moins sur cette planète. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. Alors, on ne parlerait pas en termes de CO2, parce qu'en termes de CO2, il y aura toujours du CO2 à la sortie. Alors, le CO2, qu'est-ce que c'est? C'est un gaz qui est le résultat d'une combustion. Bien sûr. Si vous émettez moins de gaz polluant, et surtout si vous consommez moins d'énergie, vous consommez moins de CO2. Bien sûr. Alors, la consommation à ce moment-là de CO2 baisserait de l'ordre de 5 à 15%. Tout à fait. Puisque ce sont les baisses de consommation d'énergie que l'on observe sur les moteurs. J'ai noté de suite une réserve, c'est que on nous a beaucoup bassiné, si je puis dire, avec le CO2 ces dernières années, alors qu'en réalité, on se rend compte, hein, petit à petit, en grattant le vernis, que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de pire dans les émissions polluantes, le CO2, c'est tous les autres gaz qu'on va trouver dans les émissions d'un véhicule qui vont être beaucoup plus nocifs que le CO2 lui-même, qui participent juste au réchauffement climatique, voilà. Mais qui sont vraiment des dangers potentiellement comme des poisons pour la vie en général. Ce sont des poisons. Et le monoxyde de carbone, l'homme n'est pas fait pour le respirer, le monoxyde d'azote non plus, et les particules encore moins. Si vous arrivez à améliorer la combustion de votre moteur thermique, vous émettez beaucoup moins de ces polluants. Et ça, alors, votre produit qui du coup est complètement révolutionnaire de ce point de vue-là, les constructeurs automobiles sont au courant de ce produit, l'industrie automobile en général. On a informé tout le monde. Vous avez informé tout le monde. Donc là, on est en 1990 à peu près. Voilà. Vous allez voir tous les constructeurs. On a fait une conférence de presse. D'accord. Vous pouvez voir sur notre site. Très bien. Où vous avez tous les acteurs. Donc tout le monde est au courant depuis le 23 avril 1992. Non, ça c'est. Et vous voyez le résultat. Extraordinaire. Ça n'a ému personne. C'est vrai que c'est extraordinaire. Donc on se resitue donc au début des années 90. Donc vous faites cette conférence de presse, vous informez tout le monde. Et à la suite de ça, vous partez aux États-Unis pour rencontrer directement ce fameux consortium américain dont on a parlé. Et là, c'est pareil, on est désolé, votre produit a beau être sensationnel, on ne peut pas le diffuser parce que vous ne rentrez pas dans notre chimie. Vous avez une chimie miscible, la nôtre est soluble, donc
Ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous donner l'autorisation de vous mettre dans notre chimie parce que vous ne la modifiez pas. Mieux, vous la maintenez intacte pendant toute sa durée d'emploi et finalement, vous allez vous abonder dans notre sens. Donc, vous serez le seul fabricant de mine normalisé que nous faisons en film moderne. Donc ça, et ça, c'est unique. Et c'est ce qui fait la singularité. Vous êtes unique sur la planète. On est unique. Il n'y a pas de solution technique concurrente, ça n'existe pas. Écoutez, c'est extraordinaire. Et depuis 30 ans. Depuis 30 ans, c'est ça qui est fou. Alors, ce qu'on peut déduire, première chose comme ça, qui est spectaculaire aussi dans les conséquences de cette invention, c'est que si je comprends bien, une fois qu'on a une huile qui incorpore votre molécule à neuf, qu'on soit sur une huile dite haut de gamme ou dite bas de gamme sur le marché, alors qu'en fin de compte, elles ont le même process, on pourrait même prendre le cas d'huile qui a le même process, mais qu'une qui soit haut de gamme ou bas de gamme. Déjà à la base, c'était la même chose, mais qu'en plus, vous, avec A9, vous vous situez à un niveau qui est encore, qui précède l'huile moteur dans la protection du moteur, puisqu'on est directement sur les surfaces métalliques, et du coup, vous annulez quelque part toutes les différences qu'on peut trouver entre des packages d'additifs. Sur le marché, en fait, neutraliser la concurrence. Bien que les huiles moteurs soient faites de concert entre constructeurs et additiveurs, il est certain que si vous filmez un moteur, vous abolissez 90% des problèmes. C'est ça, la véritable innovation. Quel que soit le process que vous allez mettre dans votre voiture, avec lequel le constructeur a fait ses études. On dit process, hein, on parle de huile moteur. Par exemple, une 0W30, voilà. Une 5W30, une 10W40, une 15W40. Vous voyez tous les process que les gens ont l'habitude d'acheter. Tout à fait. Tout à fait. Le fait de les rendre filmogènes avec nous leur fait perdre un peu leur intérêt propre, puisque le moteur n'appellera plus les additifs de la même façon, étant donné qu'il est protégé. Bah, en fait, si on réfléchit bien, si tous les véhicules étaient traités, on n'aurait plus d'intérêt d'acheter une huile plutôt qu'une autre. Déjà, on n'a plus d'intérêt puisque ce sont les mêmes process. Alors, on achète simplement un prix qui va être différent selon les réseaux. Je prenais l'exemple très particulier d'une huile qui aurait une norme bien précise qu'on ne retrouverait pas chez une autre, etc., qui fait que cette huile pourrait avoir un intérêt particulier pour un moteur, mais si on élimine ce cas-là, effectivement, il n'y a plus aucun intérêt d'essayer de comparer les huiles. En quelque sorte, le film fait le travail. Alors, vous, du coup, si ma mémoire est bonne, vous avez passé l'essentiel de ces dernières décennies, du coup, à parcourir le monde pour le faire savoir, on a le savoir-faire, mais peu de gens le savent. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous parler de ça, des opérations que vous avez menées? Je crois qu'il y a eu la Nouvelle-Zélande, il y a eu l'Australie. Il y en a beaucoup, puisqu'on est dans une trentaine de pays. Pratiquement, on a 30 ans d'expérience avec un nouveau pays chaque année. On n'est qu'une petite équipe, on ne peut pas grandir comme une multinationale, donc on s'est implanté tout doucement, gentiment, avec notre capacité. Et c'est pour ça qu'on est très très peu connu. Je sais que vous aimez bien des actions spectaculaires, et je vais en citer une qui est, à mon avis, une des plus représentatives de ce que vous avez pu faire. C'est que vous avez fait notamment le tour de la Nouvelle-Zélande avec un véhicule sans huile. Alors, c'était en 2003. On avait réussi à convaincre le concessionnaire Toyota prépondérant d'Auckland, qui est, sans être la capitale de la Nouvelle-Zélande, la plus grande ville, et on lui avait proposé, pour montrer la fiabilité et la solidité de notre film, de faire le tour de la Nouvelle-Zélande en allant voir le maire de chaque commune, en lui faisant tirer la jauge du moteur, en lui disant « Regardez, ce moteur ne pollue pas, il est protégé par un film. » Et on a fait ça avec le concours de Toyota. Et c'est ce qui s'est passé, on a fait le tour de la Nouvelle-Zélande, simplement avec la protection du film, sans une goutte d'huile à l'intérieur du moteur. Ça, c'est extraordinaire. Déjà, enfin, je pense que pour la plupart des gens imaginaient déjà faire un kilomètre sans une moteur, c'est déjà le bout du monde, mais si je peux dire. Mais là, vous avez fait des milliers de kilomètres sans huile dans le moteur. Ben, c'était tout simplement pour montrer l'existence du film. Comment voulez-vous montrer quelque chose d'invisible à l'œil nu, qui fait 0,1 micron, c'est-à-dire un 10 milliardième de mètre? Donc l'œil humain ne le voit pas, il vous faut un microscope électronique pour le voir. Mais au moins, c'était la meilleure façon de démontrer qu'on avait posé un film sur le métal,
que le moteur ne s'apercevait pas qu'il n'avait pas d'huile, puisqu'il ne montait pas en température, mm-hmm. puisque la résistance à la pression dans notre film est 22 fois supérieure à celle d'un film d'huile conventionnel. Résultat, ça montrait l'extrême protection que l'on pouvait apporter à un moteur, bien entendu, pour marquer les esprits. Et pour marquer les esprits, il ne faut pas s'amuser à rouler sans huile. Les huiles sont nécessaires et en plus, elles font partie de la garantie des constructeurs pour maintenir les garanties. Même nécessaire au process d'adopt, d'ailleurs. Mais complètement, et il faut continuer de les utiliser. Mais lorsqu'on on a une huile filmogène, c'est l'ultime protection. Tout à fait. Et c'est surtout le respect de l'environnement, puisqu'on va polluer beaucoup moins et émettre beaucoup moins. Nous, et évidemment, consommer beaucoup moins. Ce qui nous intéresse, parce que, bon, du coup, Dynaudit, on est aujourd'hui partenaire de Hanoff. Alors, je sais que sur le marché des huiles moteurs, en général, ce qui est bien vendeur, ce sont des déclarations, comment dirais-je, spectaculaires sur des gains de performance qu'on va obtenir en mettant une huile plutôt qu'une autre. Et là, justement, on ne va pas rentrer dans ce discours-là, parce que quand on regarde un petit peu des études sérieuses sur ce qui est perdu en termes de performance dans les frictions, il n'y a pas grand-chose, en fin de compte, je crois qu'on est sur 1 ou 2%. Et du coup, pour nous, l'argumentaire... le premier de Hanoff, c'est pas forcément de dire qu'on va les gratter 1 ou 2%, je pense que la plupart des gens ne seraient pas intéressés. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est de se dire qu'on sécurise et on pérennise le fonctionnement de son moteur, puisqu'on ne vient plus être totalement dépendant de l'huile. On ajoute une couche de protection supplémentaire, ce qui veut dire que si on casse, dans l'usage courant d'un véhicule, on casse une carter d'huile, généralement, on va se ranger sur le bord de la route et puis appeler la dépanneuse, alors que là, même si encore une fois on ne recommande pas, on pourrait même rentrer chez soi avec son véhicule. Pour son réparateur, on laisserait une belle trace d'huile tout le long et tout, mais elle partirait vite. Hein. Elle partirait vite, mais on aurait de quoi sur le film c'est ça. Rentrer à sa base. Alors, je ne sais pas d'ailleurs jusqu'où on peut aller dans la narration d'anecdotes, mais vous nous avez expliqué que votre molécule est très connue dans le domaine de la compétition automobile, dans beaucoup de disciplines de la compétition automobile. On a déjà eu des victoires et des situations qui ont été possibles que par l'usage de technologies à neuf. Je dirais que depuis 30 ans, le nombre de victoires, on ne les compte plus, mais nous n'en profitons pas puisque c'est le sponsor du constructeur automobile. Oui, pas forcément automobile, ça peut être dans la moto, ça peut être dans le quad, ça peut être dans de multiples disciplines qui utilisent des moteurs thermiques, il y en a beaucoup. Non, mais c'est extraordinaire ça. C'est... Mais on ne compte plus les victoires. Voilà, c'est qu'en fait... Mais elles restent discrètes. Les véhicules qui gagnent, dans beaucoup de compétitions, les véhicules qui gagnent n'ont pas forcément votre logo dessus. Ils ne l'ont même pas d'ailleurs. Ils ne l'ont pas, on peut le dire. Alors que la plupart tournent déjà sous un œuf. Bien sûr. Mais ça, c'est extraordinaire de le... Vous savez, un jour, j'ai quelqu'un qui a gagné 5 fois le Paris-Dakar, je ne dirai pas son nom, mais il se reconnaîtra, qui est venu me dire, j'ai gagné parce que même carter cassé, je finissais toutes mes spéciales, alors que mon concurrent direct, qui lui n'avait pas la chance d'avoir filmé ses moteurs, et qui était certainement un bien meilleur pilote que moi, cassait parce qu'il était métal contre métal, alors que j'étais film contre film. Ça change la vie. Alors, j'entends bien ce que vous dites, et c'est vrai que c'est même comme ça, ça paraît tellement incroyable qu'on a dû. On ne se rend pas compte, il faut vraiment essayer de se poser pour imaginer toutes les conséquences que ça peut avoir. Mais on a aussi, malheureusement, si je puis dire, des fabricants, des additifs dont on parlait tout à l'heure qui sont instables, qui peuvent parfois être partenaires de personnes qui ont gagné en compétition, et dans ces cas-là, ça annule un peu cet argument, malheureusement. Ben, il est certain que vous pouvez ajouter n'importe quel additif instable dans un bain d'huile filmogène, c'est-à-dire le nôtre, parce que de toute façon, cet additif n'aura aucun effet sur le moteur puisqu'il est protégé par notre film. Voilà, donc, même si on ça ajoute... rend inutile complètement l'ajout d'additifs, quand bien même vous en rajoutez, ils ne servent à rien puisque le moteur est protégé. Oui, on pourrait très bien avoir votre produit dans un moteur et qu'on ajoute derrière ce type d'additif, il n'y aurait pas de conséquence. En fait. Aucune conséquence. Ça n'endommagerait que la chaîne de dope des huiles qui elle-même
seront renouvelés une fois l'opération de compétition terminée, puisque le film aura fait son travail. Alors aujourd'hui, quand on parle de technologie à neuf, si on raisonne justement dans cette logique, d'additif, on va trouver sur le marché votre formulation sous la forme d'une solution qu'on ajoute dans l'huile moteur, tout comme on va le trouver déjà incorporé dans l'huile. Alors, vous avez plusieurs façons de procéder. Je pense qu'on peut en montrer, on peut peut-être se permettre on peut d'en montrer quelques-uns. Tout à fait, je vais vous en chercher deux exemplaires. Alors, ce qui est magnifique, M. Liro, avec technologie à neuf, c'est qu'on part d'une molécule dont on a expliqué tout à l'heure les effets filmogènes, etc. En fait, il y a une infinité d'applications possibles dans l'automobile, à commencer évidemment par la lubrification moteur, mais aussi les modes de vitesse, mais aussi le circuit d'injection, mais aussi, même la carrosserie, les transmissions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les gammes que vous proposez? Comme vous l'avez vu, la technologie à neuf, c'est cette petite crème, on dirait une crème de beauté. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant de préciser, c'est que cette crème, qui est le concentré de molécules, n'est absolument ni corrosif. Ah, c'est un antioxydant puissant. Voilà. Tout à fait. On n'a pas le logo dessus comme quoi c'est dangereux pour l'environnement. Non, il n'y a pas de... Contrairement au logo dangereux. On pourrait dire pour les paraffines chlorées, qui sont dangereuses pour l'environnement. Là, on est sur un produit qui est neutre pour la santé même. Chimiquement totalement neutre. Je pourrais faire un cappuccino avec... Peut-être pas, parce que c'est quand même un produit qui est destiné au métal. Donc, mais vous pourriez vous laver les mains voilà, sans aucune, avec une totale innocuité, sans aucune allergie, puisque c'est un nettoyant bactéricide extrêmement puissant. Et ça, je pense que c'est assez important d'avoir la notion que finalement, ce qui est bon pour le moteur ne peut pas être quelque chose de corrosif. Il n'est pas mauvais pour l'humain, en tout cas, et pour l'environnement. Que ça, on n'a pas forcément bien cette notion-là en tête, alors que c'est totalement ça. Tout à fait. Donc, à partir de cette petite crème de beauté que vous avez eue, qui est le concentré de technologie à neuf, on va pouvoir développer une gamme de lubrifiants. J'ai pris deux exemples volontairement ici. Une de Lubeco, c'est notre marque 10W40, qui est une huile tout à fait classique, dite semi-synthèse, mais on a compris pourquoi. C'est quand même une huile minérale. Et une huile 100% synthèse à bas taux de cendre, qui est la tendance actuelle sur les moteurs de dernière génération, que vous avez là avec la 530 Evolution, qui est l'un des process les plus sophistiqués du marché, que l'on va trouver d'ailleurs chez tous nos confrères, sauf que là-dessus, eh bien, vous avez la technologie à neuf à l'intérieur, à réseau de 2 grammes par litre, ce qui fait qu'on travaille ce qu'on appelle à 2 pour 1000, c'est très peu de choses. Alors c'est ça qui est intéressant de préciser aux internautes, c'est que ces huiles sont des huiles normalisées, complètement normal. Et leur particularité, c'est que dedans, on a déjà la molécule à neuf qui est incorporée. Absolument. Ce qui évite de l'ajouter soi-même. En fait, on a le choix. On a le choix soit de prendre notre marque avec la technologie à neuf déjà à l'intérieur, prête à l'emploi, soit de conserver sa marque habituelle parce que on s'approvisionne avec cette marque. Vous êtes sympa, vous tolérez que les gens aient des habitudes. Ah, mais bien sûr, il faut correspondre. Même si, en fin de compte, elles sont sans objet, ces habitudes, puisque oui, au final, elles n'ont aucun intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, mais en admettant, vous savez, vous avez des gens qui ont des contrats avec des fournisseurs. Tout à fait, ouais. Vous ne changez pas les habitudes des gens automatiquement, ça prend du temps. Donc, pendant la période où ils sont encore avec leur fournisseur habituel, on a développé la gamme des traitements, qui s'appelle Moteur Eco, avec 3 formulations différentes selon la taille de son véhicule. On a un véhicule léger, c'est le Moteur Eco VR. C'est la possibilité soi-même, à partir de cet applicateur et de ces 60 ml que vous allez retrouver pour les véhicules légers, les véhicules entre 1500 et 3500 kg et les poids lourds à partir de 3500 kg, de pouvoir rendre filmogène n'importe quelle marque d'huile, quelle qu'elle soit en provenance d'un pétrolier. Même les additifs qui sont présents dans l'huile et qui sont des additifs usines, est-ce qu'ils continuent d'avoir un intérêt après? Alors, je vous dirais oui et non. Ah, oui, voilà, ça c'est oui, une parce que... Nuance. Voilà, il faut le nuancer parce que ce sont ceux qui font partie de la garantie constructeur. Oui. Donc, il faut que le constructeur se retrouve.
Si il y a un incident technique et qu'il ne voit pas son process, vous porterez le chapeau. Non, non, bien sûr. C'est pour ça que c'est important. Personne. Maintenant, effectivement, dans l'avenir, ils pourront réfléchir au fait, faut-il que j'ajoute tous ces additifs, sachant que mon moteur étant protégé par le film, est-ce que je ne peux pas faire une économie? Et à ce moment-là, proposer une formulation beaucoup plus légère et suffisante. Notamment si on pense aux additifs anti-corrosion, si le moteur est traité sous A9, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus de corrosion possible. Tout à fait. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ça, c'est l'avenir. On révolutionne même le marché de l'additivation. Ah oui, parce que les huiles seront moins chères pour le grand public. Pétrochimiques. Elles seront de meilleure qualité, moins additivées et beaucoup plus fiables dans le temps. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un tour d'horizon? Alors, automobile, on a énormément de produits, forcément. Alors là, vous avez aussi donc... bien pour traitement moteur oui. que pour carrosserie. On a même du liquide de refroidissement avec la molécule. Oui, tout à fait. Mais je vais vous montrer également une possibilité avec une huile de transmission comme la Transmatique, qui va fonctionner dans tout ce qui est boîte automatique. Très bien. Pour les motos, vous avez ici l'un des deux process qui est la 10W30, puisque vous savez qu'en moto, il y a deux types de process, avec les embrayages immergés et les bains séparés, embrayage d'un côté et boîte de l'autre. Ça, c'est le cas avec la 1030, mais il existe la 1040 moto de la même façon. Bref, tous les process normalisés peuvent recevoir la technologie A9 sans aucune modification. Sans aucun problème. Sans aucun problème. Et si vous n'avez pas nos huiles, les traitements moteurs comme le moteur éco, plus l'huile que vous utilisez habituellement, vous aurez exactement les mêmes résultats. Très bien. Et les usages potentiel de A9, même au-delà de l'automobile. Je me souviens qu'au cours d'une autre discussion, vous aviez expliqué que même dans l'horlogerie, on peut imaginer d'utiliser... Ah bien, alors là, au niveau du concentré, il est certain que comme ça supprime la friction mécanique, les horlogers cherchent aujourd'hui, pour donner ce qu'on appelle une garantie ad vitam aeternam, une solution pour que les mouvements automatiques ne se grippent plus dans le temps. Je pense que lorsqu'ils auront trouvé la bonne formulation avec la technologie A9, ils pourront proposer un jour, le moment venu, des formulations ad vitam aeternam. J'ai une question qui me vient comme ça à l'esprit, parce que justement récemment j'ai vu une vidéo sur YouTube d'une chaîne spécialisée dans le démontage d'objets de technologie. Et ils avaient démonté un moteur de Tesla. Vous voyez, ça me vient l'idée. Et je me souviens qu'il y a même une partie dans le... Parce que c'est un groupe moteur boîte, en fin de compte, avec un réducteur, il y a quelque chose pour augmenter le couple au niveau, en sortie des moteurs électriques. Il y a une partie avec un lubrifiant. Donc ça, on pourrait même imaginer qu'A9 pourrait se glisser dans une application comme celle-ci. A9 peut tout lubrifier. À partir du moment où vous avez un bain dynamique et une température atteinte de 43 degrés, le film se forme automatiquement. Vous n'avez pas à vous en soucier. Et même à l'avenir, on pourrait imaginer... la disparition de l'huile, pratiquement. Bah, si un jour on arrêtait de produire du pétrole, il est certain qu'on n'aura plus d'huile, puisque l'huile est un dérivé du pétrole. A9 sera une solution technique qui permettra de continuer à lubrifier les moteurs, les transmissions, les boîtes, de par le fait que la pose du film me permet de fonctionner sans huile. On pourrait même réduire, en fin de compte, énormément la quantité d'huile. Et on pourra la réduire. Qui est dans le carter, si on y réfléchit bien, parce que. Complètement. Là, on a un volume qui est quand même conséquent pour la plupart des moteurs, alors qu'en fin de compte, avec des moteurs traités sous A9, on pourrait réduire drastiquement la quantité d'huile qui est dans également. Qui est dans le carter. Pourquoi on met beaucoup d'huile? C'est pour abaisser la température. Parce qu'il y a aussi une fonction d'échange, thermique. Bien sûr. L'huile permet de rafraîchir le moteur et de baisser la température. Il est certain que si vous mettez beaucoup d'huile, vous absorbez beaucoup de calories. Si vous en mettez très peu, elle monte en température. Mais le fait de traiter un moteur, vous descendez de 20% la température du bain d'huile parce que précisément, vous avez une diminution de la friction qui permet cette baisse de température. Bon, écoutez, je pense que c'est une belle conclusion pour cette première interview, cette première vidéo ensemble. Donc on rappelle que tous les produits A9 sont disponibles chez nous, chez Dynaudit. Certainement qu'on va réaliser pour de prochaines vidéos, on pourra éventuellement faire des essais au banc avec des démonstrations, etc. Ça serait avant et après traitement. Tout à fait, ça serait hyper intéressant de pouvoir faire partager ça à nos internautes.
Donc bah, je vous donne rendez-vous, je vous remercie mille fois. Et tout le plaisir était pour moi. D'être intervenu aujourd'hui, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine intervention. Très bien. Et bah, merci beaucoup. À bientôt, Romain. À bientôt.